Les Retainers sont reconnaissables par leur haut de cartes jaune-orangée et leur symbole représentant une corneille perchée. Remarquez que les cartes portent aussi le symbole des cartes d'action, car elles sont jouées de la même manière et avec les mêmes restrictions. Pour mettre un Retainer en jeu, le minion actif doit locker et mettre face ouverte sur la table la carte de Retainer en question. Les cartes de Retainer représentent des compagnons et serviteurs qu'un minion peut apporter en jeu par le biais d'une action. Cette action sera appelée Employ Retainer Action. Par défaut, et même si cela n'est pas indiqué sur la carte, toutes les actions qui mettent un Retainer en jeu sont non dirigées à plus un stealth. Le coût d'une carte de Retainer ne sera payé que si l'action de la mettre en jeu est réussie et n'est pas bloquée. Un Retainer entre en jeu placé sous le minion qui l'a joué. Celui-ci octroie immédiatement ses effets et ses avantages au minion qu'il possède. Par exemple, un vampire possédant un Raven Spy se voit bénéficier de plus un intercept de manière permanente. À son arrivée sur la table, on lui donnera un nombre de blood counters égal à son nombre de vies de départ, indiqué en gras en haut dans la boîte de texte. Ces blood counters s'appelleront des life counters. Il n'y a pas de limite à la quantité de retainers qu'un minion peut avoir simultanément. Une fois associé à un minion, le retainer ne peut pas être transféré à un autre minion. Les mots-clés se trouvant sur les cartes de Retainer n'ont pas d'effet en tant que tel. Seulement, d'autres cartes peuvent avoir des effets sur elles si elles sont jouées ou si elles sont en jeu. Par exemple, Demdeme peut faire entrer en jeu des Retainers qui ont le mot-clé Animal comme des alliés. Ou encore, Erebus paye moins cher ses Retainers qui ont le mot-clé Wraith. En combat, un Retainer peut être la cible de dégâts. Pour ce faire, un minion opposant doit déclarer une strike à long range et spécifiquement cibler le retainer. À l'étape de la strike resolution, le dégât sera alors distribué au retainer au lieu du vampire. À tout moment, si un retainer n'a plus de life counter, il sera envoyé dans la défausse.